Salut à tous, une vidéo, je dirais pas de review parce que je connaissais déjà le jeu. Je parle souvent de ESPN Extreme Games sur PS1 qui est un de mes jeux préférés. Et j'ai jamais trop aimé sa suite, tout Extreme. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai trouvé là, à Cherbourg, dans un. Je crois que c'est Easy Cash qui est là-bas, qui est d'ailleurs extrêmement bien fourni en rétro, c'est un truc de malade. Ce qui explique sûrement pourquoi il n'y a plus de boutique à Cherbourg, tu vois. Il y a juste un espace geek qui est tout petit, mais voilà. Mais dans lequel j'ai trouvé des pièces sympas. Et du coup, j'ai trouvé ça à 2 balles dans le Easy Cash. Donc il est complet, ça c'est cool. Tu vois, tout extrême. Forcément, quand je joue à ce jeu, je ne peux que penser à mon cousin, Diego. Parce qu'il l'avait à l'époque. Voilà, on l'a défoncé, tu vois. Mais je sais pas, il y avait. Quand je comparais avec le premier, il y avait quelque chose qui me dérangeait, je sais pas quoi. Donc, le but c'est de voir pourquoi. Donc, on va le tester, j'allais te dire. Bon, ouais, il n'y a pas grand-chose à montrer, tu vois, c'est une. Un notice, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Et encore un canard laqué, il n'y a rien, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est du générique, c'est du. Voilà, donc c'est le numéro 400, SCES 400. C'est les petites boîtes. On les reconnaît avec le contour noir, là. Enfin, gris, ou je sais pas quoi, là. C'est les boîtes. Les premiers formats de boîtes. J'ai en chopé une autre pour comparer. Ah là là, ça fait l'arrache. Parce qu'on en parle souvent. Là, tu as les boîtes que tout le monde connaît. Donc, ça, c'est le 327. Alors, allez savoir pourquoi celle-là, si on met côte à côte, elle a un chouï plus petite. Ça les met l'une sur l'autre. Je sais pas si on va voir. Mais forcément, ça dépend, ça dépasse. On voit que cette dernière dépasse. Pourtant, elle n'a pas été retaillée. C'est celle d'origine. Donc, voilà. Je sais pas trop pourquoi. Il y en a qui savent, qui me le disent. Le tennis c'est trop lent, le golf trop ennuyeux, blablabla. Ben, on va faire un petit let's play pour se rendre compte pourquoi je n'aimais pas trop ce jeu. Voilà. Allez, c'est parti pour du let's play. C'est parti, bon alors là il y a les sons, pourquoi il y a le son? Ça permettra de caler la vidéo avec la capture d'écran. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais habiller à moitié un rémiste avec mon jogging dégueulasse. Ah c'est dimanche. C'est dimanche donc. One player. Édition vétéran, course, option, race. Option, on va voir. Effectivement. Voilà. Ah ok, alors nique la trique. Nique la trique. Alors moi j'ai bien avec les rollers. Ok. Je vais prendre le mec qui est assez bon en roller.
gel d'Amos. Quoique. Nique la trique. Nique la trique! M5, c'est les mêmes contrôles que sur le premier opus. Un petit logo 2X qui tourne. Top. Oh putain, ouais. Ah mais je suis un skate là. Ah c'est pas ce que je voulais. Un skate, je crois que c'est ça qui me dérangeait, c'est que par exemple, on est tous un skate, c'est pas avec un vélo, un livre ou comme ça, quoi. Et je pense que c'est ça qui me faisait chier. C'est que sur le premier opus, bah, c'est tout lissé. Après, là, il y a le snowboard qui a été rajouté, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait des skates de snowboard dans la rue, quoi. Mais je crois que c'est ça qui me faisait chier à la base. Hein. Au final, ben, après c'est peut-être plus équitable comme ça, mais en tout cas la bande son est terrible. Hein. Bon gros rock, années 90, ça. Ah, elle est pas simple, elle est tapée dans le train. Les autres aussi, tu vois, le billard, alors ils sont agressifs, mais ils peuvent faire des conneries, ils peuvent se montrer. Là, alors, j'utilisais un bonus de speed. Quand t'as des 5 plus, ça j'aurais appelé le speed, tu vois. C'est énervé quand même, moi j'aime bien. C'est très rodroche, c'est les mêmes moteurs graphiques, je pense, que les rodroches. Ça, j'aime bien. Ouais, je peux pas dire que j'aime pas les motos, mais il y a quand même un petit côté fun, ça me rappelle mon adolescence. Oh là là, mais après, on a d'autres skaters mauvais. Hein. Ah, j'ai l'impression. Ah ouais, tu fais des putains de sauts. Ah, je sais pas ce que c'est ça. D'accord, il y a des portes qui permettent d'avoir des petits bonus. Allez, dégagez là. Des semblants de trucs, c'est sympa. Ah ouais, c'est les portes. Les bleus, c'est les portes qui permettent d'ouvrir le passage et de les refermer.
Là, quand même, meilleure modélisation graphique que le premier, là, on va pas mentir. Knockdowns. C'est pas le nombre de fois que je suis tombé, mais bon. Zero tricks, alors c'est pareil. On doit pouvoir faire des tricks. En fait, c'est ça quand tu lis pas les notices. Hein. Alors, vite fait. Oui, c'est bien. Ok. Ouais. Activer les icônes bonus. C'est pas pour les tricks, mini pause, non. Ah si. D'accord. Touche X, puis ouais, ok, c'est des combos. Je l'ai laissé à portée de main. En fait, c'est pas vite, j'aime bien me mettre en roller. Ou des autres choses. Je cours ça. Ah voilà. Vegas en roller. Afrique en vélo. Japon en. Arrêtez en. Alors c'est quoi ça? Il y a plusieurs pistes, ouais. Il y a l'air d'avoir plus de pistes que dans les premières. Il n'y a que 5. Vétéran. Bon, on aura ça différent. J'aime bien la musique, c'est péchu, c'est nerveux, ça change un petit peu quoi. Et là, je vérifie quand même que j'appuie sur la capture parce que ce serait cool. Japan One. Oh, c'est quoi? Carré. Carré rond, plus bien. Ça rame, hein. Ça rame. Le jeu, mais mieux qu'il y a. Alors, en fait, là, je ne me fatigue pas avec ça. Ouais, c'est ça, tu peux accélérer sans te fatiguer. Ouais. Si j'utilise pas ta jauge stamina. Alors, là, c'est quoi? Non mais putain mais. Je me balade, il y a personne, il y a des mecs qui sont en train.
n'arrête pas à faire le clip. Oh, raté. Ouais, c'est laborieux. Ah mais c'est ça, je suis garçon. C'est quoi? Carré, rond, triangle. Ouais, c'est chaud, hein, je... Ouais, là, je suis pas... Tu vois, autant un skate, ça allait, mais là... Je suis un vétéran, alors peut-être en rookie, je serais un peu moins mauvais, quoi. La laborieuse cette vidéo les amis, avec la laborieuse tocard. Elle est un tocard McFly. Bien placé, mais au moins j'arrive à faire des trucs. Elle va faire 20 minutes la vidéo là. C'est pas fameux. C'est pas fameux, c'est pas fameux ça la cuisse. Allez. Voilà. Ouais, c'est pas pas facile, hein. J'ai changé de musique par contre. Alors, regarde. Je vais faire ma... Voilà. En tout cas, le rouleur. Elle dégage 3. Alors la musique par point. Je pense que ça se choisit quand tu joues. La petite Xbox là. J'ai une Xbox qui déconne. Elle déconne pas, c'est bizarre. Et l'ami Romain du Discord m'a envoyé une pièce détachée pour la changer. Alors du coup ça fait 2 jours qu'elle est branchée, j'attends qu'elle calanche. Enfin qu'elle redéconne et ça veut pas. En fait, il n'y a pas on your mark, get set, c'est go.
c'était bien, c'est que dans le premier, tu pouvais mettre des coups de pied. Alors, pourquoi je fais cette tête? Parce que au moment que j'allais éteindre la console, la capture elle a déconné, je pense. Ça a clignoté bleu. Bon, on va voir. C'est-à-dire, on va voir. J'ai vraiment pas mis de tout refaire. Bon. Au final, ce jeu est pas mal du tout. Mais je préfère quand même le premier. Voilà. Je sais pas. Il y a. Faudrait que je fasse une vidéo sur les deux, mais ça ferait trop de Extreme Games. Donc voilà. Donc il est quand même bien, faut dire ce qu'il est pour l'époque. Il est quand même sorti en 96 quand même. Ah ouais. Il est sorti en 96. Et le premier est sorti en quelle année? Attends, je vais vérifier. Évidemment, moi j'ai pas un boîtier original. Putain, mais il est sorti en 96. Faut que je regarde quelle année est sorti le premier. Celui-là, moi, c'est une boîte à la con que j'ai trouvé sur le net. Donc, Tac. Si j'ai quand même le boîtier. Non, hop. Le premier est sorti en. En quelle année? Est-ce qu'il y a écrit sur la notice? Non, à la fin peut-être. Putain, c'est bizarre. Hein. Mais il me semblait qu'il était. Je savais pas qu'il était sorti si tôt. Alors, dans les premières pages, méthode, mot de passe. Non. Ah ouais, des mots de passe. Genre, tu vois, je ne m'en rends pas compte. Dans quelle année il est sorti? Non, c'est pas écrit. Il s'est pas écrit, donc je vais vérifier vite fait sur Google. Évidemment, mon téléphone vient de faire sa mise à jour. Plus tard, démarrer. Alors, plus tard. ESPN Extreme Games. On va vérifier. Désolé, ça se fait pas en vidéo, mais. ESPN Extreme Games. PS1, il est sorti en quelle année? 95. Ah, bah, il n'y a qu'un an. Un an de différence entre les deux. 9 septembre 95, l'autre est sorti en 96. Ben, comme quoi. Tu vois, je pensais qu'il sortait beaucoup plus tard. Ben, au final, non, parce que c'est pas. Il n'y a qu'à avoir le numéro du jeu. Celui-là, c'est SCS 00063 et l'autre, c'est 400. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine, pour un prochain test. Il y a de quoi faire encore. Hein. J'ai eu quelques rentrées sympas. Toutes plateformes. Notamment un jeu Wii qui est juste. Voilà quoi. Je l'ai cherché. Et hier, je l'ai trouvé pour 10 balles dans un magasin. Et j'ai joué un petit peu tout à l'heure et j'ai pris une gifle phénoménale. Comme quoi, avec la Wii. Allez, bonne surprise. Sur ce, ben, je vais vérifier que la capture ait bien fonctionné, n'est-ce pas? Ça me ferait chier que ça n'ait pas marché. Et je vous dis à très vite pour un prochain test, ou une prochaine vidéo, une prochaine critique, ou un prochain tuto. Allez, salut, à 10 chats.